Eh bien, bonjour à tous. Je salue tous les existants de par l'univers, la création. Je salue la vie et je salue tous ceux qui sont vivants et tous ceux qui vont en vivre. Voilà. Ça fait 1 an maintenant, pour ceux qui se souviendront, qui étaient à la Concorde. Un cycle en complet de la Terre. Voilà, sur cette belle image. Alors, voilà, certains se souviendront de l'appel qui a été fait par Jean-Noël pour monter à la Concorde. Ceux qui auraient voulu s'y rendre, qui n'ont pas pu s'y rendre, pour des raisons qui leur appartiennent et qui ont fait que, hélas, ils n'ont pas pu participer physiquement, mais ils étaient avec nous de cœur et d'esprit à la Concorde. Et cette Concorde est toujours bien présente. La loi est et sera dans tout l'univers. Elle est symbolisée par cet obélix. Ce magnifique obélix qui symbolise la loi. Voilà. Donc, voilà un souvenir. Voilà l'arc de triomphe, évidemment. Voilà. Voilà la place de l'étoile. Voilà cette place de l'étoile qui symbolise aussi l'alliance, hein, puisqu'en fait, c'est aussi un anneau, un cycle complet, un anneau. Voilà, et son rayonnement. Le rayonnement de l'anneau. Voilà. Et au milieu, mais un trône de Sa Majesté, hein, évidemment, en résonance avec sa loi. En résonance avec sa loi. Car un peuple, c'est un ensemble d'êtres vivants qui marchent sous la même loi. C'est ça, un peuple. Et donc, il peut y avoir de nations sans loi et sans unité autour de cette loi. Du coup, je rappelle des bases, des fondamentaux à bien incarner dans sa chair, évidemment, dans son mental, dans son propre véhicule. Voilà, parce que c'est. Quand vous vous déplacez avec ce que vous êtes, que ce soit devant, derrière, sur les côtés, en haut et en bas, vous êtes entouré de la loi. Donc, voilà. Et voyez ici, alors je vais vous mettre, voyez la polarité. Alors, le principe de la polarité est respecté, hein, comprenez, ils ont mis un obélix originel, la loi, et puis ils ont mis l'autre obélix derrière, qui symbolise effectivement la polarité de ceux qui n'est pas conforme à la loi. Il y a une autre loi qui les attend pour ceux qui ne sont pas conformes à la loi. Voilà. De fer, hein, c'est de fer. Il y en a un qui est fait de pierre, donc de choses fondamentales. Et un autre obélix qui est le côté polarisé de cet obélix de la loi, pour ce qui n'est pas conforme à la loi. Voilà, c'est ce qui est présenté à Paris, notamment, hein, à Paris, Parisis. Donc, non, voilà, souvenir à tous ceux qui étaient parmi ceux qui étaient à la Concorde et qui se souviendront. Voilà, ça fait maintenant 1 an. Il s'en est passé des choses depuis 1 an. Il s'en est passé. Ils sont, ouais, oui, c'est. Donc, El Belmundo s'est en allé, effectivement, quand nous étions à la Concorde.
notre le Bebel, pour ceux qui l'appelaient Bebel, Belmondo. Belmondo. Le monde. Le monde est Belmondo, oui, il se tenait bien droit. Ouais. Donc, du coup, aussi. Et comme par hasard, une certaine Elisabeth est partie jour pour jour, en même temps que El Belmundo. El Belmundo. Elle est partie. Alors, elle est partie. Alors, je vais vous mettre quelque chose. Je sais pas si j'ai. Normalement, je sens que je l'ai mis. Ah, non, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Eh bien, tant pis, je ne pourrais pas vous la montrer si je vous la montrais là. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose d'assez étrange. Mais dans la ville dans laquelle je réside, il y a une boutique. On va appeler ça une boutique de boutiquier. Et cette boutique de boutiquier s'appelle Hermès. Alors, je vous montrerai la vitrine d'Hermès, mais il était tard hier soir quand je suis passé, il faisait nuit. Et donc, j'ai pas pu prendre la photo de la vitrine. Mais il se trouve qu'il y a une horloge sur leur boutique. Et cette horloge était arrêtée à 9h47. Entre 46 et 47. Et il se trouve que cette horloge s'est arrêtée donc à 9h47. Et il se trouve que la fameuse reine, enfin, bon, c'est pas Elisabeth d'Angleterre, est partie. Ah, non, je ne peux pas vous la montrer cette photo. Je ne peux pas vous la montrer, je ne sais pas. Mais bon, c'est une pendule. Je vous la montrerai à un autre moment. Et cette pendule s'est arrêtée, effectivement. La reine, oui, enfin, je ne sais pas si. Non, ce n'est pas une reine. Donc, ce n'est pas une reine. Mais bon. Du coup, à 97 ans, 97 ans, ce qui fait 9 et 7. Donc, du coup, la pendule est arrêtée à 9h47. Pas tout à fait 50, vous voyez? Pas tout à fait 50. Elle ne va pas à 10. Donc, elle n'est pas passée, elle va pas passer. Donc, ça fait 7, ça fait 9 et ça fait 7. Vous voyez, au-dessus du quart. Enfin, voilà. Donc les trois quarts, elle a fait les trois quarts et sept. Oui, on pourrait penser qu'il y a du hasard. Il n'y a pas, oui, pour celui qui parle là tout de suite, l'opérateur qui parle, soham, 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 y a Dieu. Ouais, il n'y a pas le hasard, il y a Dieu. Donc du coup, quand je suis passé hier soir, j'ai pris la photo, clic, clic, avec mon téléphone. J'ai pris la photo et que j'ai partagée avec deux, trois amis. Et j'ai trouvé ça pas très anodin, vous voyez. Et jour pour jour, un an après la Concorde, un an après la Concorde, poum, elle est partie. Donc, du coup, bah écoutez, et moi, j'ai du jugement, mais il ne m'appartient pas de condamner quoi que ce soit. S'il y a, on a le roi, un seul et unique roi. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis le roi du monde. Donc du coup, ceux qui avaient une reine, bah maintenant ils vont peut-être devoir avoir un roi. Ouais, mais un vrai roi. Le seul, celui qui a toujours été en fait. Il n'y a pas de reine. Ouais. Sans roi, il ne peut pas y avoir de reine. Vous voyez, à la Concorde, il y a la couronne. Ouais, ou juste au bout, là, voilà. Vous traversez les Champs-Élysées, au bout, vous avez la couronne, avec un arc de triomphe. Du coup, donc voilà, c'est. Ouais, ceux qui avaient. Bon, il y avait marqué sur leur blason, il y a marqué. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur leur blason? Il y a marqué des trucs, hein, ils ont des blasons avec des machins, mais bon. Moi, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Il faut que j'aille ailleurs. Donc, du coup, mais bon, vous connaissez. Dieu aimant. Dieu aimant. Dieu aimant. Dieu aimant. Dieu est droit. Ah oui, droit. Droit, bah, Dieu est droit. Hein, comme ça. Hein, comme ça. Ouais, il a sa loi. Hein, elle est droite, toute droite. Hein, Dieu aimant droit. Mais Dieu est mon roi. Ils n'ont pas mis Dieu est mon roi. Parce qu'ils auraient pu mettre Dieu est mon roi et mon roi est droit. Mais bon, c'est comme ça, c'est écrit, c'est comme ça. Mais on y soit qui mal y pense. Du coup,
une histoire qui m'allait pense, qui veut dire tiens-toi droit quand même, hein, voilà, si Dieu est ton roi, il est demandé donc d'être conforme à son roi. Sinon, est-ce que c'est ton roi? Si Dieu est ton roi, ben, donc Dieu c'est ton roi, c'est le roi du monde. Le roi du monde, un seul monde, un seul univers, une seule création. Une seule création. Ben pour ceux qui reconnaissent la création, qui reconnaissent la loi de la création, et celui qui a mis sa loi, posé sa loi. Du coup, ceux qui ont posé des obélisques et des pyramides, est-ce si mauvais que ça? Peut-être, peut-être pas. À vous de voir, avec votre discernement, avec votre jugement. Mais si vous accusez des gens, tous ceux qui accusent et qui disent je ne juge pas, ils n'ont pas pris discernement de leurs paroles. Parce que logiquement, le jugement, c'est parce qu'on a un libre arbitre. Du coup, c'est le discernement du libre arbitre qu'il faut avoir. Parce que, effectivement, la capacité de faire un choix, d'aller à gauche ou à droite, ou de se stopper, stop. Alors en France, on a beaucoup de panneaux, stop. Il paraît qu'au Québec, alors je prends 2 minutes pour saluer tout le monde, tous les francophones, mais aussi tous ceux qui marchent debout, ou qui soient en fauteuil roulant, ou qui soient alités, de par tout l'univers. Puisqu'en fait, pourquoi ça se limite pas? Pourquoi se limiter à cette petite planète? Y a certainement d'autres planètes, apparemment non. Donc du coup, il y a de la vie partout. Donc il y a peut-être des gens aussi ailleurs qui ont aussi, malheureusement, pour eux, à un moment donné, une petite infirmité quelconque, peut-être pas que sur cette planète. Donc on va aussi penser au principe de la loi, qui est un principe d'équivalence pour tout ce qui est de par la vie, de par ce qui existe. Donc du coup, eh bien, j'envoie, moi, pour ma part, mes pensées à tout ça, parce que je suis une créature dans la création, et que cette création ne se limite pas à cette petite planète. Et puis, voilà, il y a toutes les espèces vivantes, du coup, parce que Noé, dans son arche, il a libéré les couples, les espèces, les volatiles, tous les quadrupèdes et tout ce qui vit pour peupler cette terre. Donc du coup, tout cela est de par la législation. Et la législation est dans toute chose, même dans le ver de terre, il y a la législation. Dans les arbres, il y a la législation, dans les fruits, vous mangez des fruits, vous mangez les rayons du soleil. Du coup, oui, remercions, grâce à l'eau qui nous permet de nous hydrater, de nous laver, voilà. Du coup, donc voilà. Donc, Elisabeth est partie. Donc, eh bien, que la grâce de Dieu lui vienne en aide, ou l'accompagne, comme tout un chacun. D'ailleurs, pourquoi penser qu'à Elisabeth, parce que le jour où Elisabeth est partie, il y a certainement beaucoup de gens qui sont partis avec elle aussi. Donc du coup, pas que Elisabeth. Du coup, voilà, ça ne s'imite pas. Voilà. Mais les condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers. Du coup. Mais il se trouve qu'à Londres, oui, enfin, à Buckingham, là-bas, bah, il y en a, ils ont perdu quelque chose. Bon, voilà. Ben, ils ont perdu quelque chose. Mais en fait, ils ont gagné quelque chose. En fait, possibilité de gagner. Place au roi, le seul, l'unique, le vrai roi. Du coup, le libre arbitre est là. Nous avons le libre arbitre, tous autant qu'on est. Ça me fait dire quoi? À quoi je pense? Ben, une page se tourne. Donc c'est génial, une page vierge est à écrire. Du coup, est-ce qu'ils vont les petits humains vont continuer
Ah, reste à faire le tour à l'intérieur ou vont-ils faire le tour à l'extérieur? Ouais, à l'intérieur du cercle, c'est le roi qui pose sa couronne sur la tête. Ouais. Elle est posée, lui, il a sur la tête. Du coup, lui, il est à l'intérieur. Et aussi à l'extérieur, évidemment, puisque du coup, il occupe la place à l'intérieur, mais c'est le roi qui occupe la place à l'intérieur. Du coup, il vaut mieux faire le tour à l'extérieur. Oui, on fait allégeance au roi, du coup, à la couronne. Mais la couronne du roi, le seul, unique, la création, sans lequel il n'y aurait pas de création, il n'y aurait pas de créature, et il n'y aurait rien, tu n'existerais pas, tu n'aurais pas les yeux pour voir, tu n'aurais pas les oreilles pour entendre, tu n'aurais pas la bouche pour parler, tu pourrais, tu n'existerais même pas, rien du tout. Du coup, si tu existes, bah, comment j'existe? Ah, bah, c'est génial, j'existe, etc. Du coup, bah, déjà, tu remercies tes géniteurs, ton géniteur et ta génitrice, parce que si tu es content d'exister, ouais, il y en a, ils sont contents d'exister quand même. Ouais, ils sont contents de bouler dans leur bagnole, d'allumer leur télé, d'allumer leur ordinateur pour jouer aux jeux vidéo ou autre chose. Ah non, il y en a qui font pas que ça quand même. Avec les jeux vidéo et les ordinateurs, il y en a qui bossent quand même. Mais bon, voilà, font des choses. Mais bon, voilà, on a le droit de se distraire quand même. On est bien d'accord. Mais t'es content de jouer, courir après ton ballon, marquer des buts, voilà, défendre ton équipe, défendre tes buts, etc. Voilà, faire du vélo, aller à la plage, c'était l'été, donc du coup, voilà. Bah, t'es content, t'as fait des enfants, t'as une jolie femme, t'as un joli mari, t'as fait des jolis gosses, etc. Bah ouais, mais tout ça, si t'avais pas eu un géniteur, une génitrice, tu serais pas là. Du coup, il t'est demandé d'honorer tes parents. Tu vois, on demande souvent aux parents de. Oui, mais tu prends, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ben déjà, tu ne serais pas là sans moi. Tu vois? Donc, du coup, le papa, il a mis la petite graine dans la maman, et la maman, elle l'a mis ensuite au monde. Oui, parce que ce n'est pas elle qui a fait l'enfance. L'enfance est faite dans son ventre. Mais c'est une participation, tout le monde a participé. Donc, c'est un boulot d'équipe. Tu vois, le papa, c'est un équipier et la maman, c'est une équipière. Donc, du coup, il n'y aurait pas ça. Donc, du coup, c'est à toi de dire merci à papa et maman. T'attends des cadeaux de papa et maman, mais ils t'ont déjà fait le cadeau. T'es déjà donné. Donc, du coup, ouais, papa, tu me donnes de l'argent, maman, tu me donnes de l'argent, tati, tata. Ouais, oui, s'ils veulent, s'ils peuvent, etc. Maintenant, s'ils en ont pas à te donner, ben, ils n'ont pas à te donner. Mais ils t'ont déjà donné la vie. Donc, du coup, t'as déjà toutes tes chances. T'es déjà là. Donc, du coup, c'est cadeau donné, déjà. C'est déjà la part donnée. Et eux-mêmes, eux-mêmes, s'ils n'ont pas rendu grâce, effectivement, à ce qui leur a servi de parents, il est toujours, même s'ils sont partis, ils peuvent toujours rendre grâce parce qu'ils ont mince. Finalement, j'étais un peu oublié, papa et maman. Tu vois? Du coup. Mais aujourd'hui, papa, il reprend sa place. Du coup, ouais, il y a une certaine Elisabeth qui est partie. Il faut savoir que cette couronne, je sais pas quoi, truc, machin, d'Angleterre, là, machin, ça avait la mainmise sur beaucoup de choses, quand même. Ça avait la mainmise sur beaucoup de choses. Mais, en fait, comment c'est arrivé? Comment ces choses-là arrivent? Du coup, on pourrait accuser, il y a des tas de gens, j'entends des tas de choses, des gens qui accusent, ouais, mauvaise, c'est la reine rouge, patati, patata, ouais, ma cocon, ma cocon, ma cocon, ma cocon, la tatati, tatata, ouais, hier soir, en me baladant, là, je rentre du bureau, bon, bref, ils mettent à toutes les sauces, s'ils veulent, hein, chacun, c'est dans le libre arbitre, mais il en sera fait selon ta parole. Donc, du coup, comme il en sera fait selon ta parole, fais attention à ta parole. Parce que, il est dit quand même, dans les 10 commandements, que je vous ai fait sortir du royaume d'Égypte. Et donc, du royaume de la soumission. Ça, c'est le premier commandement. Dans les premiers commandements, c'est écrit comme ça. Donc, le royaume de la soumission. Il y a des individus, un certain nombre, qui sont sortis avec un guide qui s'appelle Moïse, qui a sorti tous ceux qui se sont. Qui sont sortis de la pyramide. Donc, du coup, a priori, il y a 3 500 ans à peu près aujourd'hui, 3 400.
à peu près, c'était en 1400, grosso modo, 1400, 1370 avant Jésus-Christ. Bref, avant l'ère chrétienne, quoi. Avant les Romains, avant Babel, quoi. Il y a eu plusieurs Babels, mais Babel, c'est toujours, puisqu'on est dans, c'est toujours Babel, hein. Du coup, et donc voilà. Donc ils ont eu autorité à sortir, autorité. Donc, du coup, ils ont pu sortir par la grâce de Dieu. Il a dit qu'il a sorti un peuple, son peuple, ceux qui respectaient la loi, du pays, de la soumission. Parce qu'il y avait des rois. Ah oui, il y avait des. Donc le système des rois, il existait avant. Parce qu'il y a des gens soumis à des rois. Mais pas à la loi. À la loi d'un roi. Mais pas le roi du monde. Pas le roi du monde. Pas le roi de la création. Celui qui a créé la création. Celui qui est l'esprit. Celui qui est la vie. Celui sans qui il n'y aurait pas la vie. Il n'y aurait pas la vie, il n'y aurait pas du tout de. Voilà. Il n'y aurait pas d'existence. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'existence sans la vie. Donc, du coup, il faut la vie et l'existence. Mais en fait, est-ce qu'on peut avoir l'existence sans la vie? Eh, peut-être bien qu'on puisse avoir l'existence sans la vie. Ah, bah oui, parce que d'un seul coup, tu n'existes plus. Et donc, on dit que tu es mort. Mais si tu es mort, t'es mort parce que tu n'es plus ici dans la chair. Mais est-ce que tu es réellement mort? Ah, il y en a qui diraient qu'on n'est pas tout à fait mort. Mais est-ce que tu es vivant? Ah, si t'es pas tout à fait, si t'es mort et que tu existes encore sous une autre forme, mais que t'es pas dans le vivant, t'es pas dans le vivant, mais tu existes encore. Du coup, faites vos pensées ce que vous voulez. Il ne m'appartient pas de penser à votre place. Je dis ce que j'ai à dire. De par le libre arbitre, vous avez votre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est la polarité. Tu vois, tu as un côté gauche, un côté droit. L'un devant, un derrière. Du coup, en fait, la polarité, elle est là. Vous voyez? Le haut, le bas, le devant, le derrière, je l'ai mis en rouge et en bleu. Donc, vous avez une polarité et une autre polarité. Du coup, vous avez six directions possibles. Ah, mais vous êtes le point milieu, hein? Le point, il n'est pas fixe, il peut bouger, puisque tout peut se déplacer. Donc, du coup, en fait, si ça se déplace vers là, l'ordonnée peut se déplacer vers là. Dans le sens des abscisses. L'ordonnée va suivre partout. Donc, du coup, je pense que vous voyez bien, je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc, je tiens mon téléphone à la main parce que je ne suis pas très opérationnel matériellement. Donc, voilà. Mais bon, je pense que vous voyez bien. Mais, alors, je vais quand même poser mon téléphone. OK. Et je vais lui faire. Je vais lui faire, je vais lui faire, je vais lui faire. Je vais la mettre en rouge. Je vais la mettre en rouge. Oh ouais, ou un joli vert, pourquoi pas un joli vert. Non, on va mettre un rouge. En rouge, on va la mettre en rouge, pour que ça se voit bien. Du coup, dans quel sens je peux partir? Bah, en fait, je peux partir dans ce sens-là, ou je peux partir dans ce sens-là. Hein. Auquel cas, l'univers, les galaxies tournent dans ce sens-là. Donc, je peux tourner dans ce sens-là. Comme ça, comme ça, comme ça. Bah, ça fait une jolie couronne. Du coup, celui qui est à l'intérieur, le point, ici, ah, il peut avoir une vision à 720 degrés, enfin à 360, mais en l'occurrence aussi à deux fois 360. Ouais, parce qu'il y a le haut, il y a le bas, il y a les notions de côté, et les notions de côté, le devant et le derrière. Du coup, comme il y a une notion de côté, bah, il n'est pas qu'à 360, finalement. Ça implique aussi le côté de la sphère. 720 degrés. 720 degrés. Voilà. Donc, alors, ouais, je vais faire comme ça, parce que je ne suis pas très en face de mon tableau. Donc, ce qui fait 360 par 2. Hein, voilà, 360 par 2. 720 degrés. Du coup, bah ici, hein, j'ai 9, hein, ici, et là aussi, j'ai 9. Je sais pas, encore une fois, bah, c'est le principe, c'est le roi. Hein, de par l'abscisse ordonnée, ils ont fait le tour. Oui, alors après, je ferai autre chose plus tard. Du coup,
Du coup, la totalité fait bien, voilà. Et quand j'ai fait des angles, là, si je fais des angles droits, ici, bah, j'ai 90 degrés, j'ai 90 degrés, là, j'ai 45 degrés, ça me ramène toujours. Donc, la rationalité. Donc, je suis toujours dans ma rationalité, mais donc, l'univers tout entier, il est rationnel. Il est complètement rationnel. Voilà. Et ce qui a fait cette rationalité, le fait est que ben, pour prendre la mesure de la distance, et ben, faut-il encore que je puisse observer, voilà, j'ai avoir des yeux pour voir. Donc voilà, celui qui a fait toutes les choses, il a fait des yeux pour voir, mais il a fait des yeux aussi pour voir aux oiseaux, les arbres, tout ce qu'il voit. Voilà. Et puis tout ce qui n'a pas d'yeux, il aura fait un système de radar qui fait qu'ils peuvent faire de la géolocalisation par écho. Du coup, non, mais il est fort quand même, il a pensé. Ben, il a pensé la dimensionnalité pour tous les êtres qui peuplent la vie. Voilà, tous les êtres qui peuplent la vie, ils ont leur système de géolocalisation, etc., etc. Donc, du coup, même pour le ver de terre, ouais, il a ses sensorialités, donc du coup, il a aussi ses cinq sens. Alors, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes, mais il a cinq sens. Ouais. Non, je pense pas qu'il lui manque un sens. Non, du coup, sauf que si on pense qu'il a le même odorat que nous, non, il a peut-être pas le même odorat que nous. Mais les chats, vous voyez, ils ont des moustaches, vous voyez, par exemple. Nous, on a aussi des moustaches, remarquez. Mais on s'en sert différemment. Ils ont des yeux, des oreilles, et ils ont des sensorialités, effectivement, plus accrues pour certaines choses, et puis moins. Mais en fait, est-ce que nous-mêmes, on a les poils qui se hérissent, parfois. Il se passe des choses quand il y a des poils qui se hérissent. Donc, du coup, il y a la sensorialité, même sur les poils. Donc le roi du monde, il a fait, c'est son monde. Et en fait, il y en a qui réclament des rois. Donc du coup, il y en a qui se sont sauvés d'un pays de soumission parce que justement, ils voulaient plus de rois. Ils voulaient plus de rois et puis forcément, voilà. Et la reine, ben, c'est la création puisque ben c'est lui, c'est le roi, et sa reine, c'est la création. Du coup, c'est comme ça que je l'entends, moi. Je l'entends parfaitement bien comme ça. Le roi et sa création. Donc, le fait est que ceux qui se soumettaient à des rois, ben, ils sont restés soumis à des rois, parce qu'ils acceptaient la soumission à des rois. Et donc, allégeance, ils prêtaient allégeance à quelque chose qui est un système royal, avec tous les intendants, avec tout ce qui va avec, voilà. Donc, en fait, ce système, quand on fait allégeance à un système, finalement, on renonce à son libre-arbitre, puisqu'en fait, le fait est que sinon, on doit gérer par soi-même. Du coup, on dit, bon, tu ne veux pas gérer, écoute... Voilà, on veut un chef qui gère, oui, tu as des compétences, toi, patati, patata. Donc l'autre, il devait être très fort, puissant, puisqu'à l'époque, les rois, c'était des gens qui régnaient aussi par la force mentale, et puis par la force physique aussi, etc. Donc effectivement, ils étaient craints, mais comme certains aujourd'hui craignent des gens qui ont une certaine puissance, pas forcément physique, mais financière, des gens qui ont, voilà, tu peux pas m'embaucher, s'il te plaît, je cherche du boulot, patati, patata, voilà, toi, tu es puissant, tu as des entreprises, voilà, mais écoute, moi, je peux me mettre à ton service, etc. Et donc, je vais pactiser avec toi, je vais signer un contrat de travail, des choses comme ça. Donc, du coup, reprendre sa liberté, ben, c'est reprendre sa liberté. Du coup, c'est sortir d'un système, effectivement, auquel on se soumet. On se soumet. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours soumis ? Donc, du coup, il y en a qui ont notion, effectivement, de par certains livres qui s'appellent... qui ne s'appellent pas, puisqu'on ne s'appelle pas. Moi-même, je me nomme, mais bon, qui sont nommés la Bible, la Torah, le Coran, voilà, notamment pour ces livres principaux. Puis après, il y a des gens qui ont d'autres traditions, mais il se trouve que bon, voilà, certains, ils ont entendement qu'il y a des commandements, ils se soumettent à certains commandements de par la loi
qui est stipulée de par ces livres. Du coup, ben, ils ont bien un roi. Ils ont bien un roi, mais ce roi, est-ce que c'est un volume qui s'appelle le Coran ou la Bible? Dieu ne s'enferme pas dans. Voilà. Dieu, il est à l'intérieur de sa création et aussi à l'extérieur, parce que du coup, il est capable d'en faire le tour de sa création. Il a mis sa loi qui gère tout. Tout. Est-ce que lui est réellement dedans? Ben, il est l'omnipotent, il est l'omniscient et l'omniprésent. Du coup, il est la vérité de toute chose. Du coup, quand tu mens, tu sais que tu mens. Tu peux pas faire échapper à ton mensonge, parce que tu sais que tu mens. Quand tu es hypocrite, ou tu caches quelque chose, tu vois, sans dire que tu mens, mais tu sais que tu pratiques quelque chose qui est un peu malléable, tu sais que tu mens. Donc il y a le tentateur et qui arrive comme un corrupteur. Mais en fait, il n'est pas corrupteur. Il est juste le tentateur. Le corrupteur, en fait, c'est celui qui va être corrompu, qui va créer le corrupteur. Ouais, c'est particulier, mais c'est les lois de la polarité. Les lois de la polarité, donc du libre arbitre. Donc quand vous en prenez à quelque chose, parce que vous êtes soumis. Ah, vous avez donné votre représentation à celui qui va gérer la représentation. Il se trouve que là, eh bien, pour le truc d'Angleterre, là, ben, c'est elle qui gérait plus ou moins avec tout ce qui allait avec, puisque en fait, c'était à rassembler le corps et la tête. Hein. Elle avait encore sa tête et puis son corps. Donc, du coup, celle-là, ils n'ont pas coupé la tête. Du coup, cette Élisabeth, elle régnait sur le corps et sur l'esprit, du coup, de ceux qui marchaient avec elle, de ceux qui avaient dominé leur soumission, hein, qui lui avaient donné soumission. Et donc, ben, les anglophones, ils avaient donné leur soumission à une mortelle, puisqu'après tout, elle est morte. Alors que Dieu, ben, Dieu, il est vivant, et donc, lui, il ne meurt pas. Ouais, tu trépasses, mais lui, il trépasse pas. Du coup, ouais. Donc, toi, tu fais que passer. Toi, tu fais que passer, mais lui, il est ce qui est. Donc, du coup, ceux qui attendent qu'il meure, ouais, pour prendre sa place, il va pas. Ouais, tu vas mourir avant que tu pourras pas prendre sa place. Donc, bah ouais, il y a des imposteurs. Il y a tous les imposteurs qui. Ben, qui alors les imposteurs, il y en a beaucoup par rapport à la loi. Ben oui, parce que ça fait beaucoup, beaucoup de milliards d'imposteurs de nos jours. Ça faisait peut-être qu'il y a quelques siècles, quelques cycles de la Terre, il y en avait quelques millions, puis après, ça fut 1 milliard, et maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'imposteurs. Du coup, ouais, c'est. Donc du coup, ben, parce que beaucoup de négateurs, oui, tu comprends, c'est pas de ma faute, patati, patata, oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça, ben, mais il y aurait du hasard, c'est arrivé par hasard. Quoi qu'il arrive, même les choses les plus horribles, dire oui, mais tu comprends, faut l'accuser, il faut lui couper la tête à celui-là et à celle-là, ou à celui. Tu vois, les gens, ils te disent, je ne juge pas. Par contre, ils sont prêts à condamner les gens et à les brûler. Voilà, mais parce qu'il a fait ça, il a fait du sale. Ouais, il a fait du sale. Mais qui a permis qu'il y ait du sale qui s'installe? Dans la création, qui a permis que le sale s'installe? Qui a permis à certains de prendre des places, que d'ailleurs d'autres leur envient? Parce qu'en fait, tu vois, la place, il y a une place à prendre peut-être, pour certains qui voudraient dire, on va remettre quelqu'un à la place de cette Élisabeth. Et puis ils ont peut-être prévu, hein, c'est prévu dans leur plan, dans leur truc. Mais si personne se soumettait, si personne, bah, personne n'est personne, hein, voilà, c'est personne. Donc s'il y avait personne, ce serait nickel. Bah, il n'y aurait personne. Du coup, sur quoi tu veux faire? Il n'y a qu'un roi, un seul et unique roi. Donc du coup, la place est déjà prise. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il va falloir faire, justement. Qu'est-ce qu'on fait? Là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, il faut faire. Ah, t'attends que quelqu'un fasse à ta place? Ah, t'attends un sauveur? T'attends que quelqu'un fasse pour toi? Ouais, tu comprends, t'aurais pas une idée géniale? T'as ton libre arbitre. Logiquement, tu es présent. Tu es présent en toi-même. Ah, t'es pas présent toi-même? Ah ben c'est couillon, alors ça c'est vrai que si t'es pas présent toi-même, t'es où alors?
Dis-vous, t'es pas présent toi-même. Tu sais qui tu es? Tu sais pas qui tu es. Ben alors, et t'attends que quelqu'un de. Tu veux déléguer à quelqu'un qui fasse quelque chose pour toi? Ah, t'attends un sauveur. C'est plus confortable. Oui, mais moi, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ah ouais, ça me rappelle un truc sur le livre. Ouais, un truc. Enfin, ça me rappelle. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ah, mais t'appartiens de le faire. De te prendre en main. Et de pas compter sur ton voisin. Etc., etc., etc. Donc, bien sûr, quand tu es petit, maman et papa, ils t'aident ils t'apprennent à te laver les dents, ils t'apprennent, voilà, ils t'apprennent. Du coup, après, tu deviens autonome. Ils t'enseignent à te laver les dents, ils t'enseignent pour que tu puisses ensuite le faire par toi-même. Du coup, tu t'enseignes à toi-même. Parce qu'en fait, tu répètes, tu fais comme maman, comme papa, et voilà. Donc, du coup, et c'est comme ça qu'on a des acquisitions. Ouais, certains, voilà, après, tu sais faire la cuisine, tu sais faire de la mécanique, tu sais faire des choses parce que tu as vu comment on faisait. Et le savoir s'est transmis parce que tu as pu observer comment se faisaient les choses. Du coup, aujourd'hui, avec la somme de savoir, effectivement, disponible, parce que bon, aujourd'hui, même les tutoriels, on va dire. Pour dans le mode le monde on va dire occidental ou on va dire ce monde je vais dire ce monde de électronique qui permet effectivement de se connecter et d'avoir accès à des tutoriels des vidéos des choses comme ça où avant il n'y avait pas tout ça et on apprenait des choses les gens ils apprenaient avec leurs voisins avec leurs parents voilà et ils faisaient par l'expérience ils faisaient expérience et l'expérience faisait l'acquis. C'est l'expérience qui faisait l'acquis et à bout d'un certain temps, les choses se faisaient, on apprenait à faire les choses. Du coup c'est comme ça que se transmettaient les savoirs. Et l'évolution s'est faite comme ça. Et aujourd'hui, elle est plus rapide, pas un peu, elle est beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus lente en même temps. Parce qu'en fait, malgré tout ça, il y a des gens qui vont très vite, effectivement. Il y a des gens qui sont en train d'acquérir très vite des expériences. Et puis d'autres qui stagnent parce qu'en fait, voilà, TikTok, Instagram, jeux vidéo, voilà. Et donc la passivité et non le fait d'être. Et les parents sont souvent là pour le coup. Moi, je dirais que les parents sont, encore une fois, hein, et il faut se regarder, hein, tous autant que vous êtes. Hein, donc, du coup, moi le premier, évidemment, je suis concerné, évidemment. Mais il faut se regarder, parce qu'en fait, les enfants sont-ils responsables ou victimes? Ben, les enfants sont, en tout cas, à un moment donné, et jusqu'à un moment donné, ils sont responsables aussi, parce qu'il y a le libre arbitre. Donc après, on dit, oui, mais tu comprends, c'est la faute de mes parents. Non, mais à un moment donné, c'est vrai que les parents leur ont pas forcément transmis la rationalité. La rationalité. Et ils les ont exposés à des choses, ils ont exposé leurs enfants à du poison. Et quand tu consommes du poison, au bout d'un moment, il faut se purger. Donc, du coup, lavement d'estomac, machin, parce qu'en fait, quelqu'un a absorbé un poison, volontairement ou involontairement, et là, à l'hôpital directement, lavage d'estomac, transfusion, etc., etc. Du coup, parce qu'il faut purifier. Mais quand une société tout entière, toute la société, enfin, en tout cas, on va dire, une civilisation tout entière, donne du poison à tire-larigot, non, le gamin, il est empoisonné. Il arrive 12-13 ans, il est empoisonné, le gamin. Du coup, mais qui a permis ça? Ouais, la télé, c'est à cause de la télé. Est-ce que c'est à cause de la télé? Mais comment ça, pourquoi la télé permet ceci? Pourquoi la télé permet cela? Ah, oui, parce qu'il y a un système. Un système qui a permis à ce système de s'installer? Qui? Aujourd'hui, tous ceux qui réclament un sauveur, font pas l'effort. Oui, vous pouvez faire dire je fais l'effort de sortir, aller. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être en train de manifester et réclamer la tête du roi. Hein, sachez que la tête du roi, il écoute, lui, hein.
Ils écoutent les hypocrites. Donc, si vous voulez sortir effectivement d'un système et de quelque chose, effectivement, où des gens donnent allégeance à ça, certains y donnent allégeance. Vous pouvez très bien ne pas faire allégeance à ça, dire moi non, je ne me reconnais pas là-dedans. Et effectivement, je me reconnais de Dieu. Je reconnais Dieu, je reconnais sa loi. Et je vais me soumettre à sa loi. Je vais étudier sa loi. Je vais étudier Dieu. Je vais comprendre comment ça marche. Et ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis très longtemps. Il se trouve que, d'abord, je vais. On va remonter à des temps très, très reculés. Donc, du coup, le premier roi d'Israël, c'est David, le roi David. Mais avant, il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de roi David. Du coup, à un moment donné, ils ont réclamé un roi. Mais ils l'ont eu. Du coup, mais est-ce qu'il y avait un roi avant? Non, il n'y avait pas de roi. C'était le peuple libre. Vous comprenez? Le peuple libre. Mais après, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, ils ont fait encore une fois. Non, tu comprends, ce serait peut-être plus fait commode, etc. Bien, l'autre, il a pris la place. Est-ce que c'est la faute du roi David? Je ne sais pas. Faire lecture. Mais c'est pas, il y avait des rois avant le roi David, mais pas dans le peuple hébreu. Pas dans le peuple libre, le peuple de la loi. Ceux qui sont sortis de par Dieu des terres de la soumission. Ils sont sortis des terres de la soumission. Du coup, ils reconnaissaient Dieu. Quand vous reconnaissez Dieu, c'est Dieu votre roi. Il n'y a pas de roi entre son peuple et son roi. Il n'y a pas un autre roi qui représenterait un potentat, un dépositaire de ceci, de la loi, etc. Non, la loi, elle est pour tous. Elle est pour tous. L'obélisque de la Concorde, la symbolique de l'obélisque de la Concorde, là, vous l'avez, bon... Je pourrais, les 144 000, les 144 000, c'était la Concorde, les 144 000, les 144 000, la Concorde, 144 000. Bon, après, ça, c'est comme Dieu, c'est comme Dieu l'acronyme, mais est-ce que Dieu est seulement un acronyme? 144 000, c'est comme Dieu, mais est-ce que c'est Dieu? C'est comme Dieu, du coup, faut en faire le tour. Alors, évidemment, qu'il faut bosser, il faut faire l'effort, mais il ne m'appartient pas de faire l'effort à la place des autres. Chacun doit faire l'effort. Du coup, tous ceux qui veulent effectivement se soumettre. Pas faire d'efforts, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile de dire ouais, je suis prêt à me soumettre, mais je ne veux pas me soumettre, je suis un être souverain, patati, patata, mais je ne veux pas me soumettre. Tu vas devoir te soumettre à quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Mais soit tu vas te remettre, tu vas prendre le cycle infernal, ou soit le roi du monde. À ce moment-là, tu es libre, parce que de toute façon, tu as déjà donné ton libre-arbitre. Tu vois, en fait, il t'a fait libre. Il t'a donné le libre-arbitre parce qu'il veut que tu sois libre. Ensuite, tout va dépendre de comment tu utilises ton libre-arbitre. Après, effectivement, tu peux subir plus ou moins les conséquences des mauvais choix des autres, parce que tu vis dans une société. Moi, je n'ai rien demandé. Je n'ai rien demandé à cette société, tu comprends, moi j'arrive... C'est comme si, c'est comme ça, il y a de la pollution, etc. Mais qui n'a pas jeté à un moment donné son mégot par terre? Ou même celui qui jette encore son mégot par terre, au lieu d'éteindre sa cigarette, mettre son mégot dans la poche et le mettre dans la poubelle plus loin, etc. etc. Et qui dit à ses enfants, effectivement, tu sais, même s'il faut éviter de faire des choses, salir. Tu comprends? Parce que, en fait, ce n'est pas de la faute des autres s'il y a de la pollution, c'est de la faute de tout le monde. C'est de la faute de tous ces. Voilà, c'est un état de fait. Donc, du coup, ouais. Dire bon, puisque c'est sale, je vais salir aussi, je fais plus un papier de plus ou un papier de moins. Voilà. Du coup, c'est la merde, c'est le bordel, c'est le merdier, c'est un monde de merde. On va rajouter de la merde. Ouais, c'est. Combien de gens pensent comme ça? Combien de gens pensent comme ça? Agissent comme ça? Heureusement, c'est pas tout le monde. Heureusement, et puis il y a beaucoup de gens, des gens qui se réveillent, des choses qui se passent et qui bougent. Et d'ailleurs, j'ai une pensée tout de suite là, parce qu'il va y avoir, il y a une réunion à Angers, il y en a un peu partout. Et ce week-end, il y a une réunion à Angers. Ceux qui sont dans les parages peuvent se rendre à Angers. Voilà. Donc, il y a
il y a un rassemblement, il y a un rassemblement d'êtres existants et qui cherchent à effectivement se rassembler autour du principe de la vie et de la loi. Du coup, ils vont avoir effectivement l'opportunité de se rassembler. Il y en a un peu partout aussi, il y en a d'autres de prévus. Donc là maintenant, 2-3 mois, que Jean-Noël, tous les 8, 10, 15 jours, 3 semaines, il bouge et il va dans différents rassemblements. Et puis certains rassemblements se font même sans Jean-Noël. Pas besoin de Jean-Noël forcément, hein, pour ceux qui peuvent partager dans l'existant le principe de la loi, et puis d'avancer, et puis d'essayer de comprendre, se l'expliquer mutuellement, parce que voilà. Parce que faut que ça circule, et puis on voit qu'il y a j'ai vu une nouvelle vidéo hier de quelqu'un qui a fait une vidéo, un individu qui avait un accent, hein, une manière de parler le français avec un accent, un peu chantant, etc. Et c'est très bien, donc du coup il s'essaye, etc. Donc du coup c'est très bien. Et puis petit à petit, ça va se développer, hein, mais justement parce qu'ils ont compris qu'il ne faut pas attendre de sauveur. Il ne faut pas attendre de sauveur et qu'en fait, il faut se prendre en main les uns les autres. Du coup, évidemment, c'est vrai que le codex Dieu, on n'en finira pas de l'étudier parce que Dieu, c'est incommensurable. Du coup, ça encadre toute chose. Donc, c'est immense. C'est immense. Et donc, petit à petit, mais dans la sincérité de reconnaître la loi, de reconnaître Dieu, je me suis aperçu de ça, mais vous le savez bien, même ceux qui veulent pas de sauveur, au bout d'un moment, intérieurement, ils en veulent un, dans ce qui s'appelle dans leur mental subjectif, à l'intérieur d'eux, dans leur programmation, mental de programmation, ils veulent la liberté, ils ne veulent pas se soumettre à des individus, à un système, mais en même temps, ils sont quand même prêts à se soumettre parce qu'ils se cherchent des leaders. Donc, dès que vous cherchez un leader, c'est le même processus. On dit non, mais on ne veut pas Napoléon, on ne veut plus la République, on ne veut plus de roi, on ne veut plus de ceci, on ne veut plus de système. Mais à un moment donné, si tu n'as pas de roi, le vrai, l'unique, sa loi, hein, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ça, tu n'as pas de nation, parce que tu n'as pas de peuple. Tu n'as pas de peuple parce que tu ne veux pas te soumettre à la loi de la création. Comment tu peux exister dans la création qui elle-même gère toute chose dans tout l'univers, pas que la planète, tout l'univers et les vivants. Comment tu peux te vouloir prétendre à être un être souverain quand tu ne pratiques pas la loi, quand tu n'étudies pas la loi, quand tu ne fais pas l'effort de savoir à quoi tu as affaire dans l'existence, à te connaître toi-même et à comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse ton entendement et que tu ne serais pas là sans cela. Et que ceux qui gouvernent ce monde sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils respectent la polarité et le libre-arbitre. Ils respectent la polarité et le libre-arbitre. Comment ça ? Si. Ils respectent la polarité. Ils te demandent ton avis. Ils ne te violent pas le truc. S'il y a l'obscurité et que tu vas vers l'obscurité, combien de gens visitent la Tour Eiffel ? Combien sur la planète ? Qui viennent de tous les pays du monde, de cette planète, pardon, pas le monde, parce que le monde c'est l'ordre, ordo, bel mondo, le beau monde. Et combien vont à la Concorde ? Combien de millions de gens sont passés et passent à la Tour Eiffel, à admirer cette Tour Eiffel, qui est l'obélisque noir ? Et que la loi, qui vient au pied de la loi ? Il y a un an, nous sommes venus par l'appel à la loi. Nous avons été nous rassembler à la Concorde entre les deux fontaines. Entre les deux fontaines. Voilà. Et on était. Il y avait qui était le groupe ? Eh bien, c'était le groupe, effectivement,
sortir de la pyramide. Ceux qui sont sortis de la pyramide. Ceux qui sont sortis de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui reconnaissent la loi. La seule, l'unique, et qui ne se soumettent pas à un potentat. Le seul potentat, c'est le potentiel de toute chose, la loi. La loi unique, la loi du un. La loi du un. Donc la souveraineté, la représentativité, c'est bien joli. C'est bien joli la représentativité comme ça. Aujourd'hui, Elisabeth est partie. Oh, il y a des émirs, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des présidents de je ne sais pas quoi, de sociétés, des choses comme ça. Oui, il y a des présidents de sociétés. Bon, je vais continuer là-dessus après. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a une page qui se tourne pour cette planète toute entière. Parce qu'en fait, cette reine d'Angleterre, cette Elisabeth avec tout le clergé qui va avec et avec toutes ces seigneuries qui allaient avec, en fait, aujourd'hui, ils sont un peu amputés de quelque chose. Vous voyez? Mais pas vraiment, parce qu'ils ont quand même leur code. Ils ont leur code. Ils n'ont pas. Voilà. Est-ce qu'ils ont le codex? Et ils ont marqué Dieu est mon droit, ni soit qui mal y pense. Dieu est point mon droit. Onisoi qui mal y pense. Mais est-ce que cela représente la loi? Est-ce que cela représente Dieu? Il parle de Dieu pourtant, Dieu est point mon droit. Mais Onisoi qui mal y pense tout de même. Donc ils avaient des notions, ça c'est clair. Et donc effectivement, ils ont même notion effectivement de la polarité. Ils récupèrent effectivement une partie de la polarité de ceux qui ne veulent pas reconnaître le seul et unique roi. Oh, n'y soit qui mal y pense. Vous ne voulez pas vous soumettre et c'est à l'intérieur. Donc du coup, le bandeau est à l'extérieur, en bas. Bref, vous le savez bien. Hein, donc la licorne et le lion. Et le home qui est au-dessus, hein, l'home. Du coup, ils connaissent le codex. Ils connaissent le codex. Et ils connaissent la polarité du codex. Et à l'intérieur, dans le cercle, il est marqué Onisoi qui mal y pense. Hein, ils en avaient la dimensionnalité. Ils récupèrent ceux qui ont Onisoi qui mal y pense. Tu ne te soumets pas à la loi. Tu ne te soumets pas à la loi. Donc, du coup, il y a une autre loi. C'est Moïse et les 10 commandements. C'est-à-dire des tablettes d'argile qui ont été cassées. Bon, il y a écrit 10 autres tablettes, mais ceci dit, c'est la loi. Ou tu vivras de par la loi, ou tu périras de par la loi. L'Excalibur est. Donc, l'Excalibur, c'est comme ça. Le tranchant de la loi, il est au milieu. Du coup, je ne sais pas combien de millions d'abrutis. J'ai dit abruti parce que c'est sorti comme ça. Mais en fait, qui vont à l'obélisque de la Tour Eiffel. À la Tour Eiffel, mais c'est un obélisque, oui. C'est un obélisque. Oui, mais ouais. Je vous ai montré, hein. Je remontre là. C'est vraiment un obélisque. C'est vraiment un obélisque. Et ouais, mais ils vont du côté obscur. Ils vont pas à la lumière. Combien de gens viennent à l'obélisque? Le seul, le vrai, la loi. Celui du peuple de Dieu. Le peuple, c'est un ensemble d'individus qui marchent sous le même commandement, la même loi. La même loi, mais la loi universelle, unie. Et le peuple, c'est le peuple uni. L'uni de l'unité, de ce qui vaut de un. Et l'obélisque, il vaut de un. Il n'est pas fait de tas de barres. Vous voyez, il est taillé dans un seul et même bloc. Un seul et même bloc, unité. La Tour Eiffel, c'est un ensemble d'unités. C'est pas un seul et même bloc. Il représente effectivement la Tour en elle-même, elle représente une forme, une image,
une image, mais ceci dit, cette image, elle est composée de tas de choses. L'obélisque de la Concorde, il est dans sa seule unité. Vous comprenez que c'est pas hasard. Du coup, donc le peuple aujourd'hui, la page se tourne. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'entendement d'individus? Est-ce que déjà, je sais que un grand nombre de ceux qui écoutent, qui suivent Jean-Noël et je vais dire que Jean-Noël est le messager et il emmène effectivement une lecture du codex. Parce que le codex, c'est le codex, c'est la loi. Du coup, Jean-Noël le dit par lui-même. Je ne suis pas le codex et je ne suis pas la loi. Du coup, il est le messager qui explique au travers de ses vidéos, qui donne lecture du codex et qui en donne, amène entendement. Mais il demande, Jean-Noël, au travers de ses vidéos, effectivement, ceux qui suivent ses vidéos de manière régulière et qui revoient les anciennes vidéos, eh bien, vous le savez tous bien, pour ceux qui pratiquent, que plus vous les regardez, plus vous comprenez les choses. Et comme celui qui étudie quelque chose, et au fur et à mesure, il relit des passages qu'il a déjà lus, et puis ces passages lui révèlent un nouvel entendement. Du coup, ah, mais ça, j'avais pas pigé ça, etc. Par des discussions, par le fait de discuter avec d'autres, qu'est-ce que tu as pigé, qu'avant qu'il parle de ça, donc effectivement. Donc, Jean-Noël, et je vois que la vidéo que j'ai vue hier de ce garçon avec son accent chantant, il avait son petit tableau aussi, et donc il a posé son entendement, il a posé la rationalité. Du coup, c'est vrai qu'il faut partager cet entendement. Alors, c'est vrai que certains disent, mais je ne sais pas comment parler quand j'en parle. Effectivement, des fois, ce n'est pas forcément bien reçu, etc. Je vais rappeler ici qu'on ne pose de pain sur la table. Les gens sont libres de vouloir entendre, s'interroger, pourquoi, qu'est-ce que c'est ton truc. Mais en aucun cas, il faut essayer de convaincre les gens. Si vous essayez de convaincre les gens, ça va. Vous voyez, Jean-Noël, il pose le pain sur la table. Il propose. On propose, c'est tout. On dit voilà. Donc, de par les échanges, il ne s'agit pas d'insister lourdement. Mais effectivement, quand les gens se plaignent qu'ils cherchent des solutions, ben, la solution, c'est pas en trouver un sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il y a une chanson de Paul qui nous fait sur Zone FR. Il n'y a pas de sauveur, mais il y a des sauvés, mais par eux-mêmes. Ouais, bah oui, sauve-toi, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est quand même, ça a toujours été dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Du coup, tu ne peux pas m'aider, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des efforts? Donc Jean-Noël, le codex, il demande des efforts. Ça demande des efforts. Oui, mais tu comprends, je voudrais bien comprendre. Ben, bosse les vidéos, regarde, combien t'en as vu, 10, 15, 20, je sais qu'il y a je discute avec certains d'entre vous, et il y en a, ils me disent, j'écoute pratiquement tous les jours Jean-Noël, je replay, machin, un truc, du coup, et effectivement, j'ai plaisir effectivement à échanger avec eux, parce qu'il y a de l'entendement, et que ça va vite quand on discute ensemble, quand ils commencent à piger la rationalité, il n'y a pas d'ambiguïté, donc ça va. On éclaircit les points, éventuellement, on discute, on éclaircit les points, on échange, c'est riche. D'ailleurs, on peut discuter souvent pendant 2-3 heures, ça va, c'est une vraie discussion, comme ça on s'appelle. Et donc, c'est voilà, puis après, puis la sympathie, tout ça, et ça se passe très très bien. Du coup, non, c'est un vrai plaisir. Mais effectivement, ceux qui ont moins d'entendement, c'est plus délicat, ils ont plus de questions. Mais on ne peut pas leur donner, moi je suis moi, donc je suis Soham, du coup, oui, je ne suis pas moi. Non, moi, je ne suis pas moi. MOI, non, MOI, j'ai un entendement que ce n'est pas moi. Donc, je corrige. Non, MOI, ce n'est pas moi. Je ne suis pas moi. Non, je suis Soham. Donc, du coup, je lui laisse la royauté. Je lui laisse la royauté. Donc, oui, parce qu'il est roi. Donc, du coup, je ne vais pas lui prendre sa place. Du coup, je vais essayer. Bon, c'est entre moi et lui, ça. Du coup, et je discute quand même de temps en temps avec lui, mais pas assez. Mais vous savez comment je lui parle? Je lui fais d'abord louange. Parce que je me suis... Oui, parce qu'en fait, je lui fais louange. Oui. Je lui fais louange et puis...
Ben ouais, parce que je suis un ingrat de gratitude. Et, non, et en plus, je lui dis que je suis un ingrat de gratitude. Mais que, et que je suis pas. Il n'y a que lui qui est pur et que moi, je ne suis pas pur. Donc, du coup, quand je lui parle, du coup, quel que soit, ben, vous soyez, que vous soyez athée, que vous ne soyez pas athée, que vous soyez, je vais le dire, quelle que soit votre religion, que vous soyez d'origine de la Torah, hébreu, ouais, juif ou juif, ouais, mais non, juif, non. Hébreux, les Hébreux, voilà, ceux qui sont soumis à la Torah, qui respectent la Torah, etc. Et bah, bien sûr qu'il y a des Juifs qui respectent la Torah, mais pas tous. Hein, et c'est comme chez les musulmans, pas tous. Hein. Il y a musulmans, musulmans, et puis il y a ceux qui sont, voilà, il y a pratiquants, etc. Mais quel que soit, vous soyez catholique, pas catholique, vous soyez athée, peu importe. Peu importe. Mais moi, je me soumets à lui volontiers. Volontiers, je me soumets à lui et je l'invoque en lui faisant louange et puis en lui demandant gratitude bah oui, de me pardonner, d'être un ingrat. Du coup, et quand je l'invoque, je l'appelle Dieu. 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 Et je lui dis un. Un. Et je l'appelle éternel. Un éternel. Puisqu'en fait, il est Dieu. Il est un éternel. Il est l'être suprême. C'est comme ça que je l'appelle. Hein. Je fais comme ça. Dieu. Louange à toi, Dieu. Ô Dieu. Un éternel, être suprême, Père, Mère infini. Il est Père et Mère infini. Infini parce qu'il est infini. Et c'est le 1 qui finit toute chose. Il est le commencement et le début, l'alpha et l'oméga. Du coup, il est aussi, bah, il est aussi avec son verbe et son esprit et sa loi. Il est l'omnipotent, l'omniscient et l'omniprésent. Du coup, j'invoque tout ça, je lui dis tout ça, et je lui dis aussi que sa grâce divine. Vous voyez comment je déploie quand je veux parler à Dieu, je lui parle comme ça. Ô Dieu, un éternel, être suprême, Père, Mère infinie, ton Verbe, ton Esprit, ta loi, tu es l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Que ta grâce divine, qui fait toutes choses, et voilà, et après, vous pouvez parler avec lui. Moi, je fais comme ça, je fais. Après, faites comme vous le sentez. Mais vous voyez, quand je l'invoque, dans mon invocation, oui, c'est une invocation, j'invoque Dieu. J'invoque Dieu, et dans mon invocation, j'y mets cet entendement. Voilà. Donc, et tout le monde peut le faire. Comme ça, ou plus encore. Encore plus. Encore plus, certainement, parce que c'est pas assez. C'est pas assez. Ce que je fais, c'est pas assez. Mais plus encore. Et oui, parce que. Ben, effectivement, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose en face de ça une fois qu'on a commencé à. Est-ce que je le dis bien? Est-ce que j'ai assez? Est-ce que c'est suffisant d'invoquer comme ça? Oui, c'est suffisant. Il entend. Je pense que c'est suffisant quand même. De fait que c'est l'effort. Il y a effort. Effort de fait que. Ouais, il y a effort. Ouais, il y a un virage à prendre. Donc le libre arbitre est demandé. Donc chacun fait comme il veut après. Mais il faut pas venir se plaindre. Faudra pas se plaindre. Et vouloir casser la gueule à Macacagaron ou je sais pas quoi, un système qui en fait est la polarité de l'ensemble d'un certain ensemble d'individus. Parce que ceux qui veulent pas se soumettre vont sortir de la pyramide. De par Dieu, c'est dit dans son premier commandement. J'ai sorti mon peuple du pays de la soumission d'Égypte. Du coup, soit vous vous soumettez à un système et vous allez, ah, je vais porter plainte, je suis pas content. C'est pas toi qui as demandé que tu voulais sortir, reprendre ta représentativité et nous, on est des êtres souverains, signez-nous un papier comme quoi on ne fait pas partie de votre truc. Mais quand ça chauffe, tu vas porter plainte parce que tu comprends, patati patata, et je vais aller voir les services de commissariat, machin central, parce qu'on m'a fait un truc. Tu as la loi ou tu n'as pas la loi? Tu as entendement de. Tu as entendement de ça ou tu n'as pas entendement de ça? T'accuses. Sans juger. Moi, je juge, hein, mais j'accuse pas. Je m'appartiens. Non, 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 non. Là-haut, c'est là où que ça se passe. Du coup,
Du coup, non, ouais, j'ai du jugement pour savoir effectivement à quoi j'ai affaire. Ouais, ça me permet de rationaliser. Parce que j'ai du libre arbitre et j'ai du raisonnement. Et donc j'ai du raisonnement et je fais effort, effectivement, de savoir à quoi j'ai affaire et avec moi-même et avec ce qui m'entoure et à l'intérieur de moi-même. Vous voyez, mon invocation auprès du Père, Mère infini, Dieu, un éternel Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, grâce divine de toutes choses, son Verbe et son Esprit. C'est rationnel. Je suis rationnel dans mon invocation. Alors, je sais pas, est-ce que je fais, mais par effort, par effort. Non, non, est-ce que dès que je lève mon. Je me détourne, je me distrais une minute et je suis dans la médiocrité. Tiens-toi droit en permanence. Je me tiens droit en permanence. Du coup, je suis mieux quand je me tiens droit et voilà, je vois plus loin, on voit plus loin. Voilà. Du coup, voilà, une page se tourne. 144 000, c'était il y a un an à la Concorde. Donc, du coup, libre arbitre, voilà, aussi, une page se tourne aujourd'hui sur toute cette planète. Et ça va avoir bien sûr, il y aura une résonance qui se passe ici, ça a une résonance aussi autour de cette planète. Donc, du coup, cette planète, elle est en création, dans la création, dans une galaxie, dans un système solaire avec son soleil, dans une galaxie qui a des tas de systèmes aussi, voilà, qui a un système en lui-même, une cellule en lui-même. Cette planète est une cellule en elle-même, et c'est le microcosme, du coup, dans le macrocosme, du coup, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Nous sommes l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Mais nous sommes aussi infiniment grands, parce qu'il y a encore de l'infiniment petit en nous. Mais on représente souvent l'infiniment petit par médiocrité. Une demi-seconde. Et c'est l'énervement, c'est la haine, c'est le ci, c'est le là, c'est l'obscurité. Il fit le jour, il fit la nuit. Il fit le monde en 6 jours, le septième, il se reposa. Il se reposa quand? Le septième. Quel jour c'est le septième? C'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est le vendredi. Ah, ça va dépendre. Ouais. Ouais, il y en a qui se reposent plus le samedi et d'autres plus le dimanche. Alors, le jour du Seigneur, pour certains, c'est le dimanche, pour les autres, c'est le samedi. Polarité. Polarité. Choisis ta polarité. Choisis ta polarité. Ah, choisis ta polarité. Comprenez? Choisis ta polarité. Choisis ton chemin. Choisis ton chemin. C'est le principe. Et en fait, on se peut se plaindre qu'il y ait la polarité. Oui, ce serait mieux si avec du soleil, mais tu n'aurais qu'un côté droit et tu n'aurais pas de côté gauche. Ou tu n'aurais qu'un côté gauche, tu n'aurais pas de côté droit. Du coup, tu vois, quand tu es borné, tu n'as qu'un œil. Du coup, et si tu n'as qu'une jambe, tu seras obligé de sauter sur une jambe. Ouais. C'est moins confortable que d'avoir deux jambes, d'être dans la symétrie. Du coup, pourquoi? Pour l'unification. Donc, il est demandé effectivement d'unir les deux polarités. Parce qu'en fait, il y a le masculin et le féminin. Et quand le masculin et le féminin se rencontrent, effectivement, ils peuvent féconder. Et ils fécondent un enfant. Donc, l'enfant, il est le fruit de l'alliance. Or, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, mon Dieu! T'as pas un leader? Pourquoi faire? J'y connais rien en comptabilité, patati patata, tu comprends? Tu peux te former. Tu sais nager? Non, tu peux apprendre à nager. Tu sais pêcher? Non, tu vas apprendre à pêcher. Ah non, je vais manger du poisson. Non, tu vas devoir apprendre à pêcher, je ne vais pas te nourrir. Comment ça? T'as pas d'empathie, toi? Tu me fais pas la charité? Non, moi je t'apprends à pêcher, je fais mieux que ça. Je fais mieux que ça, je t'apprends à pêcher. Du coup, ouais, non, je ne vais pas le faire à ta place. Non, donc les gens, ils veulent que. Ouais, tant que les gens, si les gens aujourd'hui, là, ça y est, on va dire que ça se libère, vous voyez? Ça se libère. Par contre, est-ce que le hamster va continuer dans sa roue? Ou est-ce qu'il va se décider à dire, ah, j'arrête de faire tourner la roue? Ouroboro, le serpent qui se mord la queue.
Donc les gens, si les gens veulent continuer, qu'ils ne viennent pas se plaindre. C'est pas la peine d'aller manifester, faire des tas de trucs comme ça. Se plaindre, oui, machin, tu comprends, on n'y arrive plus à joindre debout, etc. Ça, c'est les conséquences. C'est dû aux conséquences des individus. Le système n'existe que parce qu'il y a des gens qui veulent se soumettre, qui ne veulent pas se soumettre d'ailleurs. Ils veulent pas se soumettre. En plus, ils ne veulent pas être soumis. En plus, il y a des gros hypocrites, mais des hypocrites. C'est-à-dire que moi, pour moi, tous ceux qui gueulent, là, c'est tous des hypocrites, mais ils sont abénés. Pourquoi ? Pas tous, tous, peut-être, parce que bon, faut y mettre le truc, mais parce qu'en fait, c'est les conséquences de vouloir ne pas se soumettre, mais vouloir quand même ne pas se prendre en charge. C'est-à-dire que, ouais, tu comprends, faut faire un effort, je ne sais pas comment faire, donc du coup, on va nommer, on va faire des trucs, et puis on va encore nommer des leaders. Oui, tu comprends, toi, tu sais faire ça, tu peux le faire. Tu peux le faire parce que moi, je ne sais pas le faire. Donc le système, tant que ça marchera comme ça, tant que les gens ne vont pas vouloir s'enseigner les uns les autres et le faire ensemble, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, il y a un tentateur, puis on est tenté, ouais, tu comprends, ah mais lui, il sait faire ça. Ah, tu peux réparer mon vélo, moi je ne sais pas faire. Ben écoute, tu vas venir avec moi, je vais te montrer, puis après tu sauras faire. Du coup, non, je ne serai pas ton leader. Du coup, bon, après, il y en a qui sont tentés de prendre la place de roi ou de chef ou de leader. Parce que c'est confortable, t'as vu, tout le monde m'aime bien. Tu vois, ouais, voilà. Mais après, c'est la faute du leader. Bon, il a participé. Mais qui a créé le leader ? Qui a créé le leader avant que le leader soit créé ? En fait, lui, il était en son coin, tranquille. Il pêchait, il savait pêcher parce que son papa, son père lui a appris, ou son oncle, je ne sais quoi. Enfin bref, son voisin, un ami, lui a appris à pêcher, lui a appris à faire des choses, il sait faire de la mécanique, il sait faire des tas de choses. Il s'est planté, il s'est cultivé. Voilà, bref. Il s'est tisser, parce que voilà, le tissage, hein, voilà, avec la laine, etc., pour s'habiller, pour faire des vêtements, etc., se réchauffer, des tapis, etc., faire des toiles de tente pour les berbères, donc les peuples nomades. Effectivement, ben, le tissage fait partie des premiers savoirs qui ont été, entre autres, mais voilà, et ça s'est développé. Donc du coup, et les savoirs sont transmis. Mais on en est arrivé, effectivement, à un moment donné, la civilisation devient de plus en plus complexe. Effectivement, il y a des spécialités. Donc, il y a des spécialistes, mais ils ne savent pas ce qui sort de leur bouche. Pourquoi tu dis ça ? Ouais, t'es un rapporteur. Ouais, t'es un rapporteur. Ouais, ça rapporte bien. Ça rapporte combien ? Ça rapporte bien. La représentativité des autres. Ouais, je prends la représentativité des autres. Comment je suis devenu leader ? Ben, ils me donnent leur représentativité. Ben ouais, je sais faire des choses qu'ils ne savent pas faire. Donc du coup, mais tu leur enseignes ? Ben, j'ai appris à quelques-uns, mais en fait, on va garder le savoir pour nous, parce que comme ça, tu comprends, ben, ils auront toujours besoin de nous, comme ça, ils ne pourront pas se passer de nous. Ah, ben c'est génial. On est bien, hein, Tintin, on est bien. Ouais, ben oui, parce que en fait, tu comprends, ouais, ils ne savent pas faire sans nous. Donc, c'est des ignorants, c'est des mécréants. Et donc, du coup, non, mais il leur faut des rois. Et il leur faut, ouais, t'inquiète pas. C'est vrai qu'après, une fois que tu as la place, ils vont critiquer, patati patata. Bon, il paraît qu'elle a été bien aimée, l'Elisabeth. Elisabeth était bien aimée, apparemment. C'est ce qu'ils disent, hein, apparemment. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dû pleurer, là. Puis d'autres qui n'ont pas dû pleurer. Ouais, génial, génial. Ouais, ouf, il y en a qui doivent se dire, waouh, génial, ouf, on va peut-être pouvoir respirer un peu. Du coup, combien de temps, je ne sais pas. Est-ce que la connerie va continuer ou la connerie va s'arrêter ? Ça va dépendre. Ça va dépendre si la connerie s'arrête ou si elle continue. Mais la connerie est bien ancrée jusqu'à présent. Mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. J'en veux aussi, par exemple, vous avez... Vous allez acheter des chaussures, vous allez acheter des vêtements, vous allez faire vos courses. Eh bien, en fait, le système est bien fait. Hein. Vous voyez, ils ne sont pas cons hein, quand même là-haut.
Ils sont pas cons, hein. Ouais, il y a des gens, en fait, ils perçoivent l'impôt pour le redonner au système. Ouais, ça s'appelle la TVA. Ils sont collecteurs de TVA, collecteurs de taxes. Du coup, le marchand de fringues, le marchand de chaussures, le marchand de sucettes, il est collecteur. Ouais. Merci, madame la boulangère. Merci, ouais. Ben, tu peux dire merci parce que tu es soumis au système, du coup, voilà, tu participes à ton truc, hein, ouais. Ben, comment ça marche? Ah, ces conditions. Ah, comment ça marche? Ah, t'inquiète, il rouspète, ouais, je sais pas quoi, machin, ouais, ah, on a marre de ces cons-là, ces machins, ils font des lois à la con et tout, mais bon, tu veux même t'en foutre, ouais, mais vous en mangez du système tous les jours. Est-ce que j'en mange aussi? Bah oui, j'achète mon pain, j'achète de quoi me sustenter, donc du coup, il y a de la TVA aussi, donc du coup, mais j'ai entendement que celui qui perçoit une part qu'il va redonner au système. Donc il est collecteur pour le système. Donc du coup, il bosse pour le système. Donc du coup, quand tu répares tes bagnoles, tu bosses aussi pour le système. Bah du coup, bah ouais, parce que moi, bon, il y a des taxes. Hein. Il y a des taxes. Bah ouais, ton employeur, il facture avec de la hors taxe et TVA. Donc du coup, tu cautionnes le système. Donc tu craches après le système, mais en fait, tu cours derrière. Ouais, et tu y retournes tous les matins au boulot. Ouais. Bah ouais, parce que c'est bien fait. Mais comment faire? Ah, comment faire? Eh, hey, le codex. Ouais, j'ai pas fini de faire le codex. Mais bon, 144 000. 140. Dieu. Dieu. Dieu, j'aurais dû l'écrire en vert, mais bon. Que Dieu me pardonne, j'aurais dû le faire en bleu. Mais bon. Mais que Dieu me pardonne, mais non, parce qu'il ne peut pas me pardonner, il m'a déjà tout donné. Donc du coup, je m'en prends qu'à moi-même. Du coup, c'est moi qui l'ai fait. Donc, du coup, je ne vais pas lui demander de pardon. Ben non, je ne vais pas demander de pardon à Dieu, parce qu'en fait, c'est déjà ma part. Ma responsabilité, c'est ma part. Donc du coup, je vais devoir faire avec. Du coup, moi, je vais tout de suite corriger. Hein. Du coup, je vais corriger ça tout de suite. Hein. Je vais me mettre en bleu. Oh, je vais mettre du. Voilà, je vais effacer. Et puis je vais mettre Dieu en bleu. Ah ouais. Ouais, je vais mettre Dieu en bleu. Voilà, ce sera mieux. Voilà. Voilà, ça sera mieux. Voilà, je corrige. Voilà, je suis bien avec moi-même. Voilà, du coup, voilà, je vais. Mais bon, donc du coup, c'est vachement bien fait leur truc. Du coup, pourquoi? Parce que tu as été te signaler à la chambre de commerce, chambre de métier, à la FNSEA, agriculteur, etc. Donc tout est fait enregistré par le système. Ouais, je suis enregistré dans le système. Bah ouais, du coup, ouais, j'ai été me déclarer. Ouais, tu as immatriculé ton véhicule aussi. Il est enregistré dans le système. Du coup, tes enfants sont enregistrés dans le système. Tout est enregistré dans le système. Du coup, bah ouais, c'est recensé. Ouais, tu as été te faire recenser pour aller voter, tout ça, pour le service militaire, etc. Ouais, un beau jour, ils peuvent t'appeler. Bah oui, tu es recensé. Mais comment ça marche? Bah, en fait, tu as fait d'efforts ou tu fais l'effort ou tu es con? T'es con ou tu fais. Bah, tu fais pas l'effort, si tu fais pas l'effort, t'es con. T'es con de pas faire l'effort. Il est demandé de faire un effort. Parce qu'eux, ils ont fait l'effort. Très bien, quand ils ont fait leur code civil, 3 700 pages à peu près, le code civil, le code pénal, c'est 3 800 ou 4 000 ou 4 200, je ne sais pas, un truc comme ça. Et puis, il y a le code de je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, c'est 10 ans d'études pour faire de la magistrature, etc. Du coup, est-ce que les juges condamnent? Non, les juges ne condamnent pas. Non, ils connaissent le codex. Non, le système est bien fait. Il gère un troupeau de moutons. Bé, Macron, démission, tatati, je sais pas quoi, tatata. Mais tiens, on prépare une. Ah, t'as vu, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Mais comme par hasard, on enlève les masques. Au moment où on enlève les masques, il y a l'Ukraine et la Russie qui dégagent. Du coup, on sort d'un truc, ils en mettent un autre. Pim, pam, pam, le narratif. Mais ça passe nickel. Ça passe nickel. Du coup, ils y voient du feu. Tour de passe-passe. Ouais, du bonneteau là. Pif, pif, hop, hop. Sous quel gobelet il est le truc. Non, t'as pas vu, il est pas là. Bon. Ouais, ils sont forts. Donc, ah oui, c'est des mentalistes. Ultra MK. Ultra MK, mentaliste. Du coup. Ah ouais, donc. Ah, ils sont forts. Ils sont forts. Et comment on dégage de ça? Ben on dégage Depardieu. Parce qu'il te casse sa gueule, Depardieu.
Du coup, si tu n'as pas notion minimum de ça, donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Là, en ce moment, comme c'est eux qui gèrent. Alors là, bon, pour l'instant, la place est prise. Mais jusqu'à présent, vous voyez, là. Ah, bon, je l'ai fait avec les mains. Ouais, bon, ouais, là, je n'ai pas fait bien correctement. Là. Ouais, bon, c'est pas tout à fait bien fait. Bon, bref, c'est un cube. Je suis pas, voilà. Imaginez, parce que là, moi, je suis pas un grand truc. Hein, voilà, faire des cubes. Mais bon, je suis pas fortiche pour faire des cubes, moi. Donc, du coup, imaginez un cube. Hein, il faudra que je m'entraîne pour vous faire des cubes. Je m'entraînerai. Voilà. Mais imaginez un cube. Et vous voyez qu'ils ont fait des cubes partout. Ils vont fermer les portes. Ils ont prévu de fermer les portes. Parce qu'ils gèrent la représentation. Ils ne font pas fermer les portes de la création. Non, non, la création, elle reste vivante et elle appartient à Dieu. Ouais, c'est écrit dans le codex. Donc la création, elle appartient à Dieu, puisque c'est Dieu qui a fait la création. Donc du coup, elle appartient. C'est pas de la reine d'Angleterre ou je sais pas quoi, un système ONU ou je sais pas quoi, OMS ou je sais pas quoi qui va fermer, qui va gérer la représentation de Dieu. Non, non, la représentation de Dieu, c'est Dieu qui la gère. Par contre, à l'intérieur, quand t'as cédé ta représentation, eux, ils gèrent la représentation des autres, de ceux qui sont les leurs. Tu comprends? T'as signé, tu n'as plus de représentation. Ça s'appelle un vote. Ou un vœu. Le vote, V-O-T-E, c'est ta voix. As-tu donné ta voix? À qui as-tu donné ta voix? Donc, tu as perdu ta voix, tu as perdu ta parole. Tu n'as plus droit à la parole puisque c'est ton représentant qui te représente. Donc, ouais, ton platoniste, ton platonicien, il te représente, ton platonicien. Ouais, ben oui, c'est un platonicien, ouais, et c'est la rhétorique, hein, l'art de la rhétorique, ils te la font à l'envers, hein, par la rhétorique. Mais comme le renard et le corbeau. Et tu apprends ça en CM1, CM2 ou CE2, un truc comme ça. Ouais, oh, maître corbeau, que vous êtes joli sur votre branche, etc. Ben, et donc, du coup, ouais, ils savent parler. Du coup, ils utilisent la parole. Ouais, et ils te font des belles paroles. Ouais, bah, ils te promettent des trucs. Bah, ouais, tu te cherches un sauveur. Écoute, moi, j'ai un certain pouvoir. Tu as vu comment je parle bien? Tu as vu comment je suis beau? Tu as vu comment je brille? Ah, regarde, tu sais. Je vais parler pour toi, tu vas voir. Toi, tu ne sais pas parler, mais moi, tu as vu, avec moi, ma parole, tu as vu comment je parle mieux que toi. Eh bien, rien qu'avec ça, tu vas voir, je te fais des belles promesses et tu vas voir comment ta vie va être belle. Ouais, c'est génial et tout. Tu sais pêcher pour moi? Ouais, je vais savoir pêcher pour toi. Tu auras du poisson, tu auras tout. Et je vais te faire des routes, des écoles, des hôpitaux, des machins. Il y aura plus de lits. Il y aura moins d'infirmières. Il y aura plus de lits, mais il y aura moins de personnel. Ouais. Et les lits, ils sont livrés quand? Ah, oui, il y aura plus de lits. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être livrés. Donc, ah, ça, c'est. On ne gère pas la logistique de la livraison des lits, hein, par contre. Hein. Mais d'abord, il faut élargir les hôpitaux. Tu comprends? Pour qu'il y ait plus de personnel, il faut des nouveaux hôpitaux. Il faut qu'on ferme les hôpitaux parce que ceux-là, ils sont obsolètes. Donc, on va fermer les hôpitaux et on en fera d'autres avec plus de lits. Ouais, ou plus de cercueils. Ouais, peut-être. J'en sais rien. Un truc comme ça. Mais ouais, des promesses. Mais ça marche, les promesses. Incroyable. Incroyable. Et les mecs, ils y courent. Et après, non, on n'en veut pas. Nanani, t'avais promis ceci, cela. Alors l'autre, il arrive. Ah, moi, il vous a menti. Moi, je vous promets qu'avec moi, ça ne va pas marcher pareil. Ouais, je vais vous mettre tous en marche. Et tout, ouais, ça va être la France, je ne sais pas comment, etc. Et puis l'autre, il va arriver. Ouais, moi, je suis monsieur Mélan. Je suis monsieur Mélanger, qui va vous faire ceci, cela. Bah, l'autre, il va vous faire un autre truc. Bon, après, bon, ils mangent ensemble. Alors, ça s'est bien passé, ton discours? Ouais, ça s'est bien passé. Toi, bah ouais, moi aussi. T'en as combien? Moi, j'en ai. Ah, t'en as plus que moi? Ah, d'accord. Mais t'inquiète, je prendrai. On va copiner ensemble, et puis, voilà. Ouais. Hop, ah oui, d'accord. J'ai une place pour moi? Ok, d'accord. Bon, ok. On va s'arranger. Du coup, c'est les contrats. Donc il y a aujourd'hui une page blanche, la page blanche. Donc la Concorde, c'était il y a un an. Du coup, moi, c'était merveilleux, hein, c'était génial. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, il va se passer, il va se passer. Ben, j'en sais rien ce qui va se passer exactement. Non, mais il y en a qui veulent savoir l'avenir. Regarde dans le marc de café, je sais pas quoi. Va voir ta tireuse de cartes, je sais pas quoi. Bon. Il y a peut-être des tireuses de cartes qui nous regardent. Il y en a même. C'est pas peut-être qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Je sais, ouais. Il y en a même qui font de. Comment ils appellent ça? De la nonose. Ah, Lily, Lily, Lily nonose. Lily nonose. Aie confiance, crois en moi. Aie confiance, crois en moi. Et maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas aller voter et tu vas donner ta représentativité. Tu n'auras plus à te soucier de la représentation. Attention. 1, 1, 2, 3. Crois en Dieu! Crois en Dieu, crois en Dieu. Ah ouais, crois en. Non, 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 non. Sage Dieu, pardon. Ah non, je ne peux pas dire. Voilà. Mais bon, Dieu se croit. Crois en Dieu. Eh oui, crois en Dieu. Ouais, il va falloir faire un effort pour croire en Dieu. Ouais, d'où tu pars? Ah, tu pars de là. Ah, alors attends. Alors attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Attends. Alors. Tu pars, t'es un point de repère. Alors, tu t'appelles. Tu t'appelles pas. Tu t'appelles pas. On va dire, tu t'appelles pas. Tu vas t'appeler pas. PAS. Bah ouais, tu vas devoir marcher. Donc, du coup, va faire. Tu vois, tu vas devoir faire des pas. T'as un point de repère. Et du coup, t'as repéré un truc. T'as repéré un truc qui est potentiel. T'as repéré un truc. Alors, t'as repéré un truc ici. T'as repéré un truc ici. T'as repéré un truc ici. Ouais, t'as 3 points de repère. Voilà. Donc, un point représenté. Enfin, un point qui se représente de fait par lui-même. Hein. Voilà, qui se représente par lui-même. Du coup, il existe. Tu vois, et comment il sait qu'il existe? Parce qu'en fait, il voit 3 points. Mais il doute là. Il dit, vers quel point je vais aller? Du coup, 3 possibilités. Il faut qu'il en choisisse une, tu vois. Du coup, en fait, ça lui fait, ça fait 4 avec lui. Ah bah ouais, il y a le point de repère, le point de repère et les points repérés, 3 points. Du coup, il a peut-être décidé d'aller vers celui-là. Il a peut-être décidé d'aller vers celui-là. Ou alors d'aller vers celui-là. Ou alors aller vers celui-là. Les 3 possibilités. Mais en tout cas, s'il reste là, vu qu'il y a une certaine distance, un espace entre lui et lui, du coup, il peut les observer de loin. Pour l'instant, il les observe de loin. Il ne sait pas trop à quoi il a affaire. Donc, il va devoir bouger, se rapprocher. Donc, il va devoir se mettre en mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, du coup, lui, il est polarisé. Il est polarisé plus. Et lui, là, ça, c'est polarité moins. Voilà. Et quand il va arriver là, ça va faire plus. Et moins, plus et moins, parce que celui-là, ben, à un moment donné, ils vont se rencontrer. Donc, quand ils vont se rencontrer, ben, ils vont être, voilà, il va être devant le fait accompli. Il va être devant le fait accompli. Du coup, il va se rapprocher. Mais attention à pas se coller trop, hein, à pas se coller trop, parce que lui, il doit rester sa polarité plus et pas passer en moins. Ouais, il doit rester la polarité, lui, les polarités plus. Et lui, ça, c'est polarité moins. Par contre, du coup, lui, là, il a la capacité, effectivement, déjà, de s'interroger. S'interroger, il observe à l'extérieur, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, à l'extérieur. Du coup, comment il va procéder? Comment il va procéder? Et s'il s'associe, parce que le problème, enfin, le truc qui peut arriver, c'est qu'il veuille s'associer à l'objet qu'il observe. Donc, s'il s'associe à l'objet qu'il observe, il va perdre sa polarité. Vous voyez? Donc, du coup, s'il s'associe à ça, s'il s'associe à ça, là, il s'associe, hop, hop, c'est associé, bah, là, lui, il peut devenir moins, et lui, il peut devenir plus. Du coup, vous voyez? Il peut échanger.
ils peuvent échanger un truc et lui peut devenir moins. Du coup, éventuellement, ça peut se passer comme ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce sera une bonne chose? J'en sais rien. Je ne pense pas, je ne suis pas sûr moi, que ce soit une bonne chose. Mais si, ça, si c'est inversement de polarité, si c'est inversement de polarité, il se passera forcément quelque chose. Il se passera certainement quelque chose parce que, en fait, va se créer ce qu'on appelle un triangle. Va se passer un triangle. Après, il y a une autre possibilité, c'est d'en faire le tour. Du coup, s'il en fait le tour, ici, en se rapprochant, s'il fait le tour, donc si lui, eh ben, il fait le tour de ces trois points, sans s'associer aux trois points. Donc, il s'en rapproche pour les observer. Donc, il en fait le tour. Donc, au lieu d'aller directement sur un point et un autre point, il observe. Il observe ces trois points. Comprenez? Et à ce moment-là, quand il va observer les trois points, il va les différencier de par l'image. De par le fait que lui, c'est un plus et qu'en face de lui, il a des moins. Donc ici, quand vous êtes rentré à l'intérieur, quand vous êtes à l'intérieur d'un triangle, ben vous êtes pris dans le triangle, comprenez? Vous êtes pris à l'intérieur de ça. Vous êtes pris à l'intérieur de ça dans le triangle. Et vous ne pouvez pas en sortir du triangle. Pourquoi ils vous mettent des triangles partout? Parce que ils gèrent le triangle de par la tridimensionnalité. C'est-à-dire que si vous êtes enfermé dans la tridimensionnalité, vous êtes enfermé dans le triangle. Ça vaut de 6, parce que ça vaut de 6, 6 faces. Ce n'est pas que ce soit mauvais, c'est la matérialité. Il n'y a rien de mauvais dans la matérialité. Le 6, il est bon. Il n'y a pas de... C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Du coup, mais si vous êtes aveugle, sourd et muet, eux, ils vous gèrent. Vous êtes moins ici. Ça, c'est du moins. Et eux, c'est les plus. Eux, c'est les plus. Et ils vous enferment toujours dans le triangle. C'est eux qui gèrent la législation du triangle. Ils gèrent parce qu'ils sont à l'extérieur du triangle. Parce qu'ils en ont déjà fait le tour. Donc, ils sont à l'extérieur. Si vous vous associez, vous vous enfermez dans un triangle. Vous vous associez et vous avez fait votre choix parce que vous n'avez pas de discernement et vous avez confié votre libre arbitre et vous avez trois triangles pour le coup. Alors bon, voilà, je vais rendre l'antenne. Je vous ai fait donc cette vidéo. Je vais rendre l'antenne parce que Jean-Noël risque de faire un live, peut-être cet après-midi, sinon il en fera un peut-être dans le matin, voilà, parce que c'est sur deux jours, donc je vais rendre l'antenne. Voilà, je vous salue à tous, en tout cas. Soyons rationnels. En fait, j'insiste sur une chose, c'est qu'en fait, tous ceux qui se cherchent des sauveurs ne veulent pas faire d'efforts. Vous dites comment ça? Oui, je dis bien, ils ne veulent pas faire d'efforts. Parce qu'en fait, c'est le sauveur, c'est la loi. C'est pas toi le sauveur. Moi, je ne suis même pas le sauveur. Le sauveur, c'est Dieu. C'est la loi. Ah, pardon, pas celui-là, parce que là, non. C'est ça. C'est-à-dire, ceux qui reconnaissent effectivement la législation de toute chose, de par rationalité, parce que ceci est rationalité, ceux qui reconnaissent la législation de toute chose, qui s'y soumettent pour faire l'alliance et la concorde, pour faire nation, pour naître en Dieu. Parce que sinon, tu n'es pas en Dieu. Et si tu n'es pas en Dieu, ben, tu seras géré par une autre législation. Et effectivement, les gens vous pètent parce que oui, mais tu comprends, nanani, nanana, il y a ceci, il y a cela. Mais cela n'existe que parce que, en fait, les gens ont donné leur allégeance
ils ont donné leur allégeance. Et ils ont mis une pyramide en verre, là, au bout de ça, là. Vous voyez ? Au bout de ça, il y a une pyramide en verre, ça s'appelle le Louvre, là. Et là, ils ont mis une pyramide en verre. Et donc, du coup, ouais. Ouais, vous avez le choix. Vous avez le choix. Donc, du coup, ils vous mentent pas. Ils vous demandent, est-ce que tu veux bien me confier ta liberté ou est-ce que tu veux prendre ta liberté ? Du coup, bah, voilà, si tu n'as pas l'entendement, bah, tu dis oui, mais il te cache l'entendement. Ouais, non, il ne te cache pas l'entendement. C'est vrai que... Pourquoi il ne vous cache pas l'entendement ? Parce qu'il ne vous le cache pas, mais il vous est demandé effort pour le découvrir. Parce que si vous ne faites pas effort, vous allez dire, oui, mais tu comprends, il manipule. Tu te laisses manipuler. Parce que pour ne pas se faire manipuler, il faut faire effort. Il faut mériter de passer par le chat de l'aiguille. Sans effort, non, il demande effort. Parce que c'est comme ça. Il faut reconnaître Dieu. Tu veux avoir le beurre, l'argent du beurre, la vache, la crémière. Eh bien non. Non, non et non. Ça ne marche pas comme ça. Du coup, ils ne sont pas mauvais du tout, du tout, du tout, du tout. Remerciez-les. Grâce à eux, c'est vous qui les avez. Enfin, vous. Je parle pour ceux qui veulent des leaders, des machins, des gens qui les représentent. Oui, mais tu comprends. Oui, mais moi, je n'ai pas voté. Ouais. Mais même si tu ne votes pas, si tu cherches un leader, non, ça ne marche pas comme ça. Tu te cherches toujours quelqu'un pour te défausser sur lui. Tu comprends ? C'est plus facile. La représentation, ça se gère pour chacun et respecter la représentation de l'autre. Parce que oui, tu veux dire, tu te représentes, tu gères ta représentation, mais tu dois aussi respecter la représentation de l'autre. L'autre, il a aussi sa représentation, le principe d'équivoté. Du coup, son libre-arbitre lui appartient. En aucun cas. Et c'est pour ça qu'il ne viole pas le libre-arbitre. Après, vous avez les gens ont des systèmes qu'ils ont mis en place eux-mêmes. Dire après vouloir s'en prendre au système, alors que c'est la grande majorité, je ne parle pas pour la totalité, mais que la grande majorité a réclamé à un moment donné un roi, ben David a dit, vous en voulez du roi, ben je vais le prendre. La place du roi, puisque vous voulez me nommer roi. Mais ben lui-même, il n'a pas forcément voulu être roi. Mais le peuple réclamait un roi. Du coup, il s'est peut-être dit, je suis peut-être le mieux placé pour faire au mieux, parce que sinon, il y aura peut-être un pire que moi. Parce qu'ils en veulent un. Alors peut-être qu'il a pris la place en se disant, il vaut mieux que ce soit moi qui a un pire que moi. Du coup, il a pris la place. Mais avant, il ne l'avait pas. Donc, du coup, ceux qui étaient libres, ils ont réclamé leur roi. Alors les gens disent, ouais, mais moi, tu comprends, je ne veux pas céder ma représentativité, patati patata. Jusqu'à quand ? Jusqu'au moment où tu vas baisser ta garde, parce que tu t'écartes de Dieu et tu t'écartes de la loi. Et qu'en fait, on va te mettre un roi qui va te mettre des lois parce que tu ne te soumets pas à la loi et au seul roi qui est. Et tu as reconnu cette loi, cette loi de fondement du verbe de la création, du seul Dieu unique, de par son esprit, de par son ordre, Mundo, qui a créé toute chose, l'ordre de toute chose. Et toi, au bout d'un moment, le peuple dit « Ah non, mais tu comprends, c'est compliqué entre nous. Il faudrait quelqu'un qui légifère. » Hein, oui, quelqu'un qui légifère. Vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord. De comme vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, eh ben, on va mettre quelqu'un qui va légiférer. Mais parce que vous l'avez demandé. Et puis parce que moi, je n'ai pas demandé. Mais puisqu'à un moment donné, quelqu'un l'a demandé, David ou un autre va dire « Ah tiens, Elisabeth est partie. » Est-ce qu'ils vont en vouloir rien ? Ah, ils vont réclamer encore quelque chose ou pas ? Mais que ce soit les Anglais ou les autres, ou je sais pas, les Qataris, machin, je sais pas quoi, Saoudite, machin, ou ailleurs, peu importe, ou les Espagnols avec leur roi de machin, ou je sais pas quoi, ou leur président, des trucs qui représentent des choses, ils gèrent la présentation, parce qu'ils représentent la représentation des autres. Du coup, ils ne se représentent pas eux-mêmes, ils représentent des autres. Bah parce que les gens le demandent. Alors, pas tous, mais ceux qui ne demandent pas, ils ne demandent pas. Ils doivent dire, moi, attention, moi, je ne m'associe pas à ça. Je me dissocie. Je me dissocie, je le fais valoir. Effectivement, à un moment donné, il y a un peuple qui est sorti d'Égypte. Et il a dit, je sors mon peuple
du pays de la soumission d'Égypte. Donc ceux qui aujourd'hui veulent, de par leur libre arbitre, par entendement à Dieu, à la loi, dire nous on suit Dieu, Dieu, et on invoque Dieu, et on, parce que sans invoquer Dieu, sans invoquer la loi, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, j'invoque Dieu, oui, on est soham, 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 invoque Dieu, louange à toi Dieu, un, éternel, être suprême, Père, Mère infinie, Verbe, Esprit de toutes choses, omnipotent, omniscient, omniprésent, gratitude, 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 je me soumets à toi, je te reconnais. Je vous dis à très vite. Ben, bon week-end de rassemblement sur Angers, à ceux qui sont là-bas. Voilà, on va saluer tout le monde, tous les êtres vivants, tous les êtres futurs vivants. Et puis, voilà, soyons en Dieu, formons le peuple de Dieu, faisons cette alliance, cette concorde, et puis, et soyons nombreux. Voilà, je vous salue. Alors on va mettre la belle image encore. On va mettre la belle image. Voilà. Et à très vite.